Marine a un chaud. Il est chaud et j'ai beaucoup de place. Allez, c'est parti, on a un nouveau. Il y a deux nouveaux personnages dans le vlog. Et pas des moindres. Marc Mercier. C'est moi. Alors celui-là, vous allez le découvrir un petit peu plus, mais ça sera mi-juin. Forme de teasing, quoi. Et Marine Échevin. Donc bah là pour le coup, ce personnage-là, vous allez le voir souvent maintenant. Donc là c'est parti. Notre taxi là, Marc Mercier, il nous emmène à l'aéroport de Nantes. Direction Athènes. Allez, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre de la graisse sur vos chaînes. C'est quoi dans vos valises? C'est des parapentes? Bon, pour le moment, tout s'est bien passé. On a fait le transfert en moins d'une heure carrément. On a récupéré les valises, toutes les valises, plus le transfert en moins d'une heure, donc c'est cool. Donc là, on n'a plus qu'à. On est arrivé à la loc, on n'a plus qu'à monter les vélos. Thank you. Et j'ai l'impression qu'il y a 4 étages. Attends. Et pas d'ascenseur. Ici, il y a l'ascenseur. Et il y a un ascenseur. Mais je pense que ça va être un par un. Yes. Montage de vélo numéro 2. C'est parti. C'est parti dans le fabuleux ascenseur. Il y a énormément de place. C'est vrai qu'on a pensé à migrer avant de venir. Avance-toi. Attention, on va voir tout défiler. Putain de Samir. Étage 1. On va jusqu'au 4, j'ai peur. Et étage 2. Je crois que c'est le pire ascenseur que j'ai pris dans ma vie. Everything. Yes. Onion and fries. Yes. And a chicken pita. Chicken gyros pita. And the kebab pita. Visite avec le meat pita. Non mais il rigole hein, parce que là. Voilà, c'était la commande de Simon pour les 5 prochains jours. Non. Ils vont découvrir les pitas. Thank you. Thank you very much. Je vais tout finir. Thank you. Thank you. Il rigole le mec. Il va plus avoir de place pour la gaufre. Ah bah c'est clair. Et du coup on a retrouvé Jonas. Jonas c'est un gars qu'on a rencontré sur les XTERRA, je sais plus à combien de temps. Ça doit faire 4-5 ans. Quand est-ce qu'on l'a rencontré? Bah toi tu le connais depuis 2017 et moi 2018. Mais je sais plus où je l'ai rencontré. Enfin bref. Donc là du coup on s'est retrouvés, on mange ensemble. Et là on a commandé des trucs, je sais pas ce qu'on a commandé. Et le serveur il s'est encore... Encore un peu foutu de notre gueule, ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Two meals with him, there are french fries inside. And do you have an extra... French fries. Je crois qu'il y a des frites avec chaque pizza. Oui. En fait. Simon, il comprend rien. Ah oui? Oui. Ah oui. Bon bah voilà. Marine a fait le job. Nous, on teste un peu ce qui se passe et Quentin, lui, il lui reste que les miettes. Je suis à la diète. Petit dessert pour conclure cette première journée de voyage. À vous de la mêlée. Good job. Not a good job. Hein. Simon il se régale. Bon bah voilà. Après on fait le job, promis on fait le job après. Demain matin on est malade. Bah demain on vient prendre le petit déjeuner mais ça sera juste des pancakes, tranquille. Là ça va aller. Bon par contre cette année. Je vous ai pas montré d'extérieur, mais on a vraiment pas rigolé sur la location. Là, Airbnb, on a pris du lourd cette année. Et t'as les clés, ma biche, par contre? Est-ce que j'ai pas les clés?
Bon, je vous ferai visiter l'intérieur quand on sera rentré là. Même Simon a trop mangé, il vient de gerber en pleine rue. Regardez-le. Ça va, Simon? Ouais, attends. Ta gueule. Oh, non, c'est pas possible. Tiens, vas-y, okay, Quentin, gars, Quentin. On fait un pack. Attends, non. Prends des oranges pour le petit-déj demain matin. Ah ouais, attends. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, on a ce qu'il faut. Donc c'est quoi le pacte? Le pacte. Du coup le pacte, l'équipe c'est. L'équipe. Jusqu'à samedi midi. Jusqu'à samedi midi quoi. Parce que après la course elle est finie donc on s'en fiche. Mais jusqu'à samedi midi, on prend que un plat chacun. Vous avez bien entendu hein. Un plat chacun. En fait ça coûte tellement pas cher que là on a vu un peu trop large. Et on n'arrive pas à se un contrôler. Plat de frites, ça compte pas. Les frites c'est fini. C'est pas bon. Un Simon. Ouais, j'en ai fait les frais là, les gars. Vous verrez dans le vlog. J'ai payé l'addition là. Donc on a dit qu'on allait se raisonner, qu'on allait manger que un plat au restaurant. Parce que ça coûte pas cher en fait. Les plats ils sont à 3 euros. Ouais, genre là, le mais kebab bon. C'est 3 euros. Mais bon, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Demain on va faire des courses. Et on fait le job. Voilà. Terminé. C'est ça l'équipe. Coupé. Bon, il est minuit 20, on est en train de monter les vélos, c'est n'importe quoi. Quelle soirée. Bon, en tout cas, vous voyez pas, mais là, on a une bête de terrasse, elle est énorme, enfin, on voit pas très bien. Et normalement, on a une belle vue, donc on verra demain. Donc voilà, j'espère qu'il va faire beau. Et puis voilà, quoi, demain matin, petite course à pied, on va repérer le parcours de la course. On va prendre un bon petit déjeuner et après on ira enchaîner avec la reco du parcours vélo. Pour ça qu'on monte les vélos tout de suite, comme ça on n'aura pas ça à faire demain. Donc voilà. Ça se passe comment la mécanicienne de l'équipe? Ça va. Sûr? Ouais, je cherchais la pédale droite à la pédale gauche. Oula. Non. C'est quoi ça? C'est coup de soleil? Il s'est fait mordu. Yes. Il s'est fait mordu. Ouais, mort. Bon, apparemment le soleil il fait mal. Congratulations. Thanks. Oh! Il a que 2 km. Jonas? Yes. Do you want a pizza? Later. Maybe later. We have a story for you. Yes. Simon? Yes. When you go back? Yeah. It's in the camera. No, Simon, no. Walk. And then he's fine. No. Yeah. Two I think so. It was too much. It's a fake. No. Too much for two or three persons. So ugly. What is rubbish? Rubbish? Ah. Jess? Yeah. Let's go. C'est court là pour la course, hein. Ouais, mais ça court en gestion. Ouais. Quoi? Ah non! Mais c'est pas moi, c'est Jordi! Bon bah voilà, on se tape toujours des chantiers sur les parcours course à pied. Bon après celui-là, en gros, je crois dans le tour, il y a deux grosses côtes. Et après, c'est un peu plus roulant qu'à Malte quand même. Donc on va voir ça. Là, on est au top du parcours.
Il y a le site de course juste là-bas où on fera la natation dans la baie. Et après là, en fait, on monte toute cette falaise là pour le début de la course à pied. Et voilà. Et là-bas, c'est Athènes. On a retrouvé Marine sur le parcours. Ouais. Marine est en pleine reconnaissance. Marine n'a pas vu le fléchage et s'en va à contresens. She comes to your bike, hein? Yes. Ah ouais. Mec, il y en a plein. Il va falloir faire attention. Jump. Yeah. I think you sleep here. Allez, deuxième montée du parcours. You want to go, Jonas? Non. Là, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chemin. C'est un peu comme tu veux, quoi. Comme tu peux, surtout. Je te dis, mec, samedi... Il y a encore une tortue, faites gaffe. Samedi, on va... Faut faire attention à pas rouler sur une tortue. Bah ouais, mec. Allure instantanée. Il y en a pas. Quentin. Quentin, il va me faire faire des vues sur YouTube. My fat? Yes. No, with your beard. Wait. It's in the Jordi channel after. Je crois qu'il a pris des petits coups de soleil. Dutch qualidad. Tout à l'heure ça se couvrait. Dutch qualidad. Tout à l'heure ça se couvrait, mais là ça y est, il fait beau de nouveau. Et surtout, on est de retour au QG. Est-ce que Simon va vomir? On vous donne des nouvelles. C'est du diète, hein. Donc là, c'est du diète. Tous les jours avoir ça à la maison. Petite collation avant d'aller faire le parcours vélo. Là, on a fait le job, là. Eux, ils ont pris menu enfant. Et Jonas, par contre, il a pas pris menu enfant. Ils ont pas rigolé. Stay here all the day to eat that. Alors, c'est chiant, en fait. Allez, petit dessert. Alors, est-ce que tu t'es régalé déjà sur ton plat? Un petit peu de Nutella. Un petit peu. MDR. Bon, les gars. Par contre, on va pas diviser en 6 là. Les gars, il y a un problème. C'est que on a commandé les pancakes pour le dessert. Et sur la carte, c'était marqué 4 pancakes. Du coup, bah, avec Simon, on a dit qu'on voulait 4 pancakes. Et le gars, en fait, il a compris qu'on voulait 4 assiettes de 4 pancakes. Du coup, en fait, pendant le service, il nous ramenait plein d'assiettes de pancakes. Et là, du coup, il nous a ramené la facture. Voilà. On en a pour 130 balles de pancakes. Surtout, du coup, ben, on les voulait pas. Mais du coup, ils les ont fait, donc ils vont nous les mettre dans des boîtes. Donc là, on va repartir avec je sais pas combien de pancakes, c'est n'importe quoi. Ton avis? Mon avis, c'est qu'en rentrant, les deux gourguettes prendront un compte sur Babel et apprendront à parler anglais. Non, mais non, pas du tout. Mais c'est jamais leur pas du tout. C'est la carte, il y a marqué 4 pancakes. Si on avait dit 1 pancake, ils nous auraient ramené que 1 pancake. Donc en vrai, c'est de leur faute. C'est de leur faute. 130 euros de resto et 52 euros de pancake. Ouais, il y en a pour plus de 50 balles de pancake, quoi. 29 euros. En tout cas, on vous donne des nouvelles quand on aura reçu notre petite dotation de pancakes. On est là pour la semaine. Oh là là. Ça va nous limiter en fait le nombre de trajets pour venir ici. On pourra rester à l'appartement, faire du jus. Faire du jus, c'est tout pour la course, tout pour la course. Bon, là, on est reparti du petit resto. Et on est pas reparti les mains vides. Ils nous ont donné tous les pancakes qu'on avait du coup commandé visiblement. Donc là, je pense qu'on n'a plus besoin de sortir le soir ou autre. On va pouvoir manger des pancakes à la maison.
Are you ready? Yes, of course. It's cloudy. Yeah, a little bit, but we are too fast for the clothes. Home trainer? What? Home trainer? Home trainer? No? No. No, we go on the track now. Bon, on est parti avec les nouvelles tenues. Ça, Simon, tu nous présentes les nouvelles tenues là. Attends. Je te gaffe pas. C'est beau, hein. Nouvelle tenue du team. On a un petit cul là. Nickel. Là, on est bien là. On est pas mal. Beau gosse. Bon, allez. Petit truc au vélo. Marine aussi, elle a les nouvelles tenues du team. La classe. Les vélos sont prêts. On va aller sur le circuit vélo pour reconnaître. Là, on va faire un tour et demi histoire de rouler 2 heures à peu près. Donc, c'est parti. Il est chaud, hein? Ouais. Petit secteur technique. Il y a des silex. Il passe bien, mais il faut faire attention où on met les pneus. Quentin est toujours sur le vélo, donc c'est bon signe. Ouais, j'ai dû m'arrêter. C'est vrai? J'avais une branche, mec, dans mon derrière. J'ai vu. Marine est toujours sur le vélo, c'est bon signe. Jonas is always on your bike. Yes. It's okay. It's okay. It's okay because. It's a tiger. Bon, bilan de la sortie. Le doigt dans un arbre. Mais bon, à côté du mollet de Marine, on voit pas grand chose. Mais c'est pas grand chose. C'est surtout mon bail. Et surtout le vélo là qui a pris un peu. Je sais pas si on voit beaucoup aussi, mais. Une petite chute. À l'arrêt, quoi. Alors, les sensations sur ce parcours? Génial. Franchement, j'ai trop hâte. C'est un parcours qui me convient très bien. Bah, on peut le voir, hein, partout. J'ai même réussi à prendre une branche dans l'oreille. Vraiment top. Donc, j'ai vraiment hâte d'en découdre samedi. Top. Non, vivement que je pose et que je cours. Vive la course à pied. Allez, nouvelle journée. Là, on part pour la deuxième reconnaissance. Et reconnaissance vélo. Et après, du coup, on revient ici manger tranquille. Et après, en début d'après-midi, on ira nager. Donc voilà, il fait toujours aussi beau. Donc c'est cool. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chute. Pas de chute ce matin, hein, les enfants? Non, on va essayer. On va essayer. Hein, Quentin? Quoi? Pas de chute ce matin, hein? Non, jamais. Non. Hello guys! Arriva à la casa! With one shoot with the best team of Quentin. One scene in bike with Mathias. Bon, je vous avoue que la GoPro elle est encore en état, mais c'était moi une. En mode survie. Simon, nombre de chutes aujourd'hui? Zéro. Zéro! Bien joué. Quentin, nombre de chutes aujourd'hui? Oh, je sais plus, deux peut-être. Marine? Zéro. Une m'a suffi hier. Bon bah moi c'était ma première de l'année. Oh le problème, c'est nul. Oh. En vrai, c'est ouais les gars. C'était ma première de l'année, mais elle était bonne celle-là. En vrai, c'est grave. Le téléphone il s'est retrouvé par terre. Un beau petit soleil. Mais bon. Vous vous êtes adapté à 5% à la chaleur. Ah bah putain. Pas trop bien. Nickel, ouais, il te reste plus que 95% ouais. Avant demain. Impeccable. Bon voilà, petit reco. Enfin, dernière reco de fête. Il fait chaud. On va manger. Et puis on va pouvoir manger dehors, là, ça va être cool. On a mis Tiketa qui a fait la vaisselle. Sans liquide vaisselle.
Ah bon? Mais si mec, il y en a. Regarde. En plus vous avez mis des trucs, vous en avez même pas utilisé. Ah bon? Bah la passoire. Bah si, pour les pâtes. Bah elles sont dans la casserole. Bah elles se laissent d'amis à réchauffer après. Ah ouais. On a bien bronzé Quentin. Bon allez, on va à la plage. On est en pleine reco du spot là. Tu diras que j'ai pas mis. Bon c'est bon, reco effectué. Ça s'annonce plutôt bien là. Ça passe plutôt bien les rampes. Ouais, nickel. T'inquiète, c'est encore mieux. Non mais c'est bon, stop. On est obligé de refaire des courses parce que Simon, il est intolérant aux pancakes. À chaque fois il mange des pancakes, il vomit. Donc là on est obligé de refaire des courses. C'est un gros événement cet anniversaire. Full récup. On a préparé les affaires. Ah d'ailleurs faut que je mette les... Mais là c'est élastique. C'est pas forcément évident. Regarde notre petite série. Et après on va manger. Et demain. Alors, moi, que ce soit toi qui la remplace. Bon ça y est, on est dans le parc à vélo. C'est jour de course. Tout est installé. Le casque, les lunettes, les chaussures, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Je pense qu'il y a à peu près 2h45 de course environ. Donc il va encore faire chaud, il va falloir bien gérer l'effort sur le vélo pour pas avoir de coups de mou comme à Malte. Donc on va essayer de gérer ça un peu mieux pour faire une course un peu plus complète. On va voir ce que ça donne. Et toi Marine, comment tu sens? Bah moi c'est la rentrée ici. Ça fait bizarre de revenir ici. Mais on verra bien ce que ça donne. J'ai pas de point de repère pour l'instant. C'est le premier triathlon de la saison. Donc on verra tout donner et puis rien lâcher jusqu'au bout. Je pars pas pour 2h45 mais plutôt 2h30, 3h30. Mais bon, ça devrait le faire, hein. Y a pas de raison. Les gars, je sais pas. Et puis là il y a les petits qui sont là-bas là. Ils sont stressés. Bon bah cette fois-ci vous allez pouvoir avoir des images de la course. DNF pour moi, j'ai abandonné au bout de 3 km en vélo. J'ai pris une trajectoire que vraiment bête sur le parcours, sur le début du parcours. Une trajectoire où, enfin vraiment c'était même pas un secteur technique. J'ai roulé un petit peu dans l'herbe et il y avait une grosse pierre cachée par l'herbe. Et j'ai explosé mon pneu arrière quoi. Donc voilà, j'ai posé le vélo et puis bah, je vais encourager les copains. Là actuellement, j'attends la fin du vélo. Ils sont dans leur deuxième tour. Simon était deuxième avec le premier 20-24, donc il est vraiment au contact. Quentin est deuxième 15-19, pareil, je crois qu'il doit y avoir une ou deux minutes d'écart.
Mais sachant que le parcours course à pied, il est vraiment difficile et technique, donc tout va se rejouer à pied. Et Marine a été 5e pro, donc on va voir, on va les encourager. Et puis du coup, je vais vous donner les images de la course. Là, je les attends, sur la fin du vélo. Il y a Simon qui arrive. Allez Simon, 4 minutes premier, 37 secondes deuxième, allez. Je suis en train de me fumer pour aller les voir sur le parcours course à pied. Allez gros, je sais pas où t'en es, il doit y en avoir un devant. Faut rien lâcher gros, allez. Allez mon cœur. Goldstein, elle est loin devant. Oui, mais t'es 4 ou 5. C'est loin derrière. T'en as une derrière là, Allez mon cœur, fais-toi plaisir là, allez. Quoi? Ouais, allez. Allez gros, nickel là. Allez, tu me finis ça, t'es dans les premiers amateurs mec. Allez. Allez là. Allez mon cœur, allez, on s'accroche là. Allez. T'es 6. Allez. T'es 6, 4 minutes devant. Fais-toi plaisir, on s'en fout. Par contre, il n'y a pas d'autres filles, hein. Je pense que t'es 6 au scratch. Hein. Allez. Derrière, j'ai pas regardé, mais je pense pas qu'il y ait grand monde, mon cœur. Elle m'a mis un tour oui. Du creux. Voilà. Allez, concentre-toi là. Allez, c'est bien, je mon cœur. Il est explosé dans les montées. Allez, t'en as plus que deux. Hein. Ouais. Allez. C'est dur. Allez. Fais-toi plaisir là. Reste concentré. Lâche rien, toi. Allez. Tu fais ta course, ça sert toujours de toute façon. Hein. Ouais. Ça reste des bonnes séances. Allez, ravitaille-toi bien. Ouais. Mouille ta tête. Allez. Allez mon cœur. Je te rejoins à l'arrivée. Allez les gars, allez. Allez. Je l'ai motivé à me suivre. Hein. Allez Quentin, allez. Ça déroule en bas là, allez. Allez gros, allez. Récup. Avant la course, c'était la récup. Après la course, c'est la récup. C'était l'acclimatation. Hein. Les pancakes, ça marche. Place for Jakub Ruziska. Second place for Simon Wolf. And first place for Frederick Delac. Categoría αγόρια έως 19. Καντίν Ότο. Και στη full distance απόσταση του τριάθλου. Έλεγα πριν λοιπόν ότι όλοι όσοι κερδίζουν slot θα παραλάβουν το slot τους με. Και θα φωνάξω τον Μιχάλη και την Ιταλία από την Νότα, το πρόσωπο της Σόν. Έτσι τα όνειρα τα φοράει όλη η ομάδα. Νίκολας Ρέιμπον. On va les revendre. Second place for Jeremy Dugo. Tu penses que c'est la vraie heure ou pas? And Frederic Delard. Bah oui, t'es malade ou quoi? Men's category up to 39 years old. It's a gold or chocolate. Their ladies. Yeah, maybe. Third place, Caravan Lena. There must fight in. Come on guys, come on. Let's go guys. Salut, c'est Greg. Là on se dépêche, on court sous la pluie pour aller au restaurant. Ouais, c'est Greg. Ouais, c'est Greg. Yeah. What's that? Jeunesse, are you hungry? Maybe. J'enlève la salade et la tomate. This is not for me. On mange local. Pas de regret. Dis-moi. Pas de regret, mais arrête de filmer aussi près. Mais c'est un grand angle. Pas de regret, il faisait les podiums que jusqu'à 3. Donc en fait, je joue pas le podium. Button, moi aussi je veux faire. Button, appétit, bip bip bip. Bip bip bip, bon appétit. J'ai décliqué au dernier moment, ça a failli me coucher sur les bottes de paille dans le vide. Ah ouais. Bon, on enchaîne sur ton débrief de course. Ouais, si tu veux. Ah, vas-y. Et ben, je suis très contente de cette course. Même s'il reste quand même un petit goût d'amertume de pas rentrer enfin dans le top 5. Puisque je termine 6e aujourd'hui avec pour moi une bonne partie de natation puisque je gagne 3 minutes par rapport à l'année dernière.
un peu plus de 5 minutes de gagner sur le vélo et surtout un gros travail à pied. En faisant coucou au photographe sous l'eau. Ouais, le mec il s'est approché avec moi à la caméra, alors j'ai fait comme ça sous l'eau, mais rapide. Et un beau travail à pied puisque je gagne 10 minutes par rapport à... 8 minutes par rapport à l'année dernière. Donc non, je suis quand même vraiment satisfaite de cette course. C'est un parcours avec beaucoup de technique où j'étais venue il y a 4 ans maintenant, 5 ans pour la première année. Et il y avait beaucoup de choses où je passais à pied. Et du coup, là, ça me permet de voir quand même que j'ai pas mal progressé en VTT, même s'il y a encore beaucoup de travail. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de cette course et vivement la Belgique pour la prochaine. Résumé de qualité. On passe aux enfants maintenant. Et là, je pense que ça va être un peu moins qualitatif. On va passer à Quentin. Il est prêt, pardon. Il est prêt. Ok. Il est prêt. Et bah, du coup, partie de natation, ça s'est bien passé. Comme Marine, je suis content. 3 minutes de gagner sur les dernières, donc ça c'est plutôt positif. Mais ça c'est grâce à la muscu cet hiver. Parce que oui. T'as été de nombreuses reprises. J'ai pu y aller, de nombreuses reprises à la muscu, t'as été mis dans de bonnes conditions. J'ai été puni ensuite et donc j'avais plus le droit d'y aller, mais enfin bref, je vais pas m'attarder sur le sujet. Mais du coup, après la partie de natation, ça c'est un peu compliqué sur le vélo. Je me sentais plutôt bien, mais j'étais pas à l'aise sur le parcours, ça glissait pas mal. Enfin, le terrain était super sec. Et c'est pas forcément un terrain qu'on retrouve chez nous, donc pas super habitué. Comme à mon habitude, j'ai vu le terrain sous un autre angle. Mais bon, ça c'est pas très grave, maintenant j'ai l'habitude. Hein. Combien de chutes dans le séjour? Je préfère pas compter parce que... Bah, ça se compte plus sur les doigts d'une main. Quoi. Parce que voilà, mais voilà, pile poil, ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est une chute pendant la course. Deux par reco. Donc on progresse. Premier reco, 3 chutes. Oui. Deuxième reco, 2 chutes. Non, franchement, en vélo. Ouais, c'est bien. Vivement demain. On va rouler demain il va sur les roues. Pas de chute. Non, le vélo dur, du coup. Et puis à pied, bah pareil, il n'y a pas eu de folie. Je dois mettre une minute de plus que les dernières, donc un peu déçu de la course en général, mais c'est pas grave, on reviendra plus fort. Il n'y a pas de folie. On reviendra peut-être l'année prochaine pour voir si la fête est un peu plus folle, quoi. Et Simon, comment s'est passée ta course? Alors, moi, je partais du coup avec l'envie d'avoir la qualif dans ma catégorie, ce qui n'a pas été le cas à Malte. Et donc, j'avais vu que sur la start list, il y avait quand même pas mal de niveaux, donc j'étais un peu stressé. Mais du coup, partie natation, où je suis très bien parti. À la moitié de la natation, je dois être 3e amateur. Et ensuite, je sors de la natation, je dois être 5e à peu près. Donc une super bonne natation, j'avais vraiment des bonnes sensations. Une bonne transition. Ensuite, un vélo où je me sentais vraiment bien en côte. Par contre, dans les parties techniques et en descente, un peu moins bien. Du coup, je perdais un peu de temps, mais je rattrapais pas mal dans les côtes. Donc franchement, je suis vraiment content de mon vélo aussi. Donc des bons progrès comparé à l'année dernière. Et du coup, à la pause du vélo, Mathias, du coup, qui était sur le côté, m'a dit combien j'avais de retard sur le premier. D'ailleurs, je me suis fait insulter, mais on ne dira pas les mots d'une importance capitale qui ont été dits là. C'est odieux de sa part. Ouais, mais pourquoi? Parce que j'ai dit que j'étais 4e alors que j'étais 2e. Du coup, voilà. En fait, il partait 4e et j'avais l'impression qu'il était énervé, qu'il allait se démotiver. Du coup, il me dit, je lui dis qu'il était 2e, il m'a dit 4e. Et du coup, j'ai un peu... je me suis pas contrôlé, quoi. Mais du coup, je me suis pas contrôlé pour lui dire qu'il était 2e et qu'il lâche rien, quoi. Et du coup, il m'annonce que j'avais 3 minutes 40 de retard. Du coup, je suis parti vraiment vite à bloc, quoi. Donc, en haut des 3 côtes, je commençais à être un peu cuit. Mais du coup, j'ai rien lâché. Au bout du premier tour, il me dit que j'ai plus que 30 secondes de retard. Donc j'ai rien lâché et je commençais à apercevoir le premier. Donc je suis allé vraiment à fond pour le doubler le plus vite possible pour que ça le démoralise un peu. Ce qui a marché et au final, je gagne dans ma catégorie avec 2 minutes d'avance. Donc je suis qualifié pour les mondiaux et je finis 2e amateur. Donc premier podium en amateur et premier top 10 en Xterra. Tout avec les pros cumulés et amateurs. Fais 8 du coup. Ouais, du coup vraiment content et voilà. Meilleure course en Xterra pour le moment. Bon bah voilà le résumé de la course. On est samedi soir du coup. On vient de finir le restaurant, on va se poser un petit peu et puis demain on va voir ce qu'on fait, on va se lever, aller prendre un petit déjeuner, faire une dernière petite sortie course à pied.
Et puis après, bah, on prendra l'avion et on rentrera. Et du coup, prochain Xterra, mi-juin, en Belgique pour les championnats d'Europe. Je sais pas s'il y aura d'autres épisodes d'ici là. On verra ça. Belgique, championnat d'Europe, le vlog le plus important de la saison, je pense. Mmh. Vous pouvez mettre un rappel dans votre téléphone, faudra pas louper. Faudra pas louper celui-là. Et il y aura des nouvelles tenues. Et des nouveaux. Ah ouais, mais les tenues, on les a présentées très vite fait aussi. Mais bon, ça, vous verrez sur les réseaux dans les prochains jours. Voilà. Allez, ciao!